Alors là, mes copains, il n'a pas rigolé, le Garen. Les X-Rockets sont sortis. Tout neuf, sortis de la boîte, déjà bien salis. Mes copains, ça tue. Hein. C'est quasiment pareil que le X-Max hein, d'origine, peut-être même un petit peu moins large, mais c'est chouette hein. Un petit peu plus haut aussi, on se rend compte. Bon, les miens sont bien usés, c'est chouette hein. Bon, petite démonstration, Stéphane, c'est parti. Le parking est détrempé. Ça lève. Ah, ça accroche. Hein. Fais des tours devant, tu passes devant nous. Ah, ça assure. Hein. Quand vous que ça tient le pavé, passe-nous la flaque d'eau à fond. Là. Voilà, ça que je veux voir. Il y va le curé. Suis-moi, gros. Attention voiture. Merci, monsieur. C'est ça que je veux voir. I like one to that guy. I like one. That's it. Ça passe. Ça fait drôle quand tu vois deux X-Max qui t'arrivent à fond dessus. Il y en a un que tu sais pas s'il accroche, l'autre tu sais si. Oh le travail. Non, c'est bien. Ça accroche, je sais que ça accroche, mon copain. What happened? Comme il dirait le Kevin Talbot.
Oh, j'ai perdu un rétro. Oh, perdu, j'ai perdu un rétro, gros. Attends, laisse. Je redresse. Là, mon rétro fait maison, il a pas aimé. Aïe, aïe, aïe. C'est pas méchant, ça tient avec un rizan. Mais je prends même l'antenne. Mon petit rétro. Ah, même l'antenne, elle a eu mal. Ah, les accessoires. Les accessoires, putain, c'est plus ce que c'était. Bon, je vais remettre un petit rizan, ça tient juste avec un rizan.